Toutes les vérités sont bonnes à dire, mais c'est nous qui ne sommes pas tous bons pour les entendre. En amour, lorsqu'on désire sa liberté, c'est pour l'aliéner en d'autres mains. Savez-vous ce que c'est qu'un misanthrope ? C'est un homme qui vous force à réfléchir, ce qui est très ennuyeux. Tu crois bien connaître ton esprit, et pourtant avoue souvent ta surprise devant les sosies qui te le reflètent. Je n'ai rien pu faire pour mon moi de demain. C'est bien rare si je sympathise avec mon moi d'hier, et à peine si je supporte mon moi d'aujourd'hui. L'oisiveté n'est pas seulement la mère de tous les vices, c'est aussi celle de toutes les pensées. Ainsi, pour peu que vous ayez à faire, songez-vous seulement à penser. Il faut savoir vivre avec ses semblables, et si je ne trouve que des dissemblables. L'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait, dites par quelqu'un qui les ignore. Il est possible que nous ayons enfermé en nous d'autres êtres que nous-mêmes, dont nous ne soupçonnons pas l'existence. De temps en temps, sous des influences mystérieuses, un de ces êtres fait des gestes étranges auxquels nous ne comprenons rien, puis disparaît. Et alors il semble que nous ayons fait un rêve. Ce n'est pas la peine de te répéter chaque jour que tu es mortel, tu le verras bien. Les gens trop heureux sont comme les voleurs de profession, ils finissent toujours par être pincés. Printemps perfide qui chaque année voilait un instant de votre illusion le terme de notre vie. La mort lave tout et ne nettoie rien. Il faut de si fortes raisons pour vivre qu'il n'en faut pas pour mourir. Ce qu'on nomme le cafard n'est souvent qu'une éclipse de nos illusions et un éclair de notre lucidité. On espère moins du ciel son dû que le châtiment des autres. Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Le malheur, c'est qu'on peut faire beaucoup de bêtises. Dans l'humanité, il n'y a que les détails qui changent. Non, le peuple n'est pas meilleur que les riches, mais comme il est moins riche, il ne peut pas autant se permettre. Tous les goûts sont dans la nature, même les plus contraires à sa simplicité. Tout s'explique et rien ne se justifie. Ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'il te fît, ni le bien que tu sais qu'il ne te ferait pas. La parole a été donnée à l'homme, dit l'adage, pour déguiser sa pensée, ou encore pour en masquer le vide. Le monde n'est pas gouverné par des imbéciles, mais il n'y a que les imbéciles qui se flattent de pouvoir le gouverner.